Cari amici pellegrini di lingua italiana, buongiorno. Benvenuti a questa celebrazione internazionale. Un caloroso benvenuto ai nostri amici dell'Unitalsi Sicilia Occidentale, della Calabria, agli italiani della Missione Cattolica Tedesca, visto che ci siamo, e tantissimi altri gruppi che ci sono, singoli e familiari, di cui non diciamo i nomi perché altrimenti la messa la facciamo cominciare verso le 11. Quindi ci facciamo un grande applauso di benvenuto. Ma l'applauso più forte vogliamo darlo a tutti gli ammalati presenti a questa celebrazione e ai giovani. Un avviso per i celiaci, gli intolleranti al glutine, che desiderano ricevere la comunione: durante la distribuzione possono venire qui vicino al grande crocifisso stilizzato e troveranno un sacerdote con le ostie per loro consacrate. Ci prepariamo, raccogliendoci, facendo silenzio nel nostro cuore, a questa celebrazione e insieme cantiamo. I would like also to greet all the English-speaking pilgrims. Welcome to this Basilica of St. Pius X for this International Mass, which is going to be presided today by Monsignor Bouyre, Archbishop of Besançon in France. You're coming from far away. There is a group from Slovakia, a group from Poland. Welcome to all those who are coming from far away. For those of you who have a celiac disease, a priest will be standing at the footstep of the cross here near the altar in order to give you communion. Let us prepare our hearts to the coming of our Lord. Let us prepare ourselves to these sacred mysteries. Let us pray for each other and for those most in need, and open our hearts to God's mercy. Buenos días, un saludo y nuestra cordial bienvenida a todos los peregrinos aquí presentes, venidos desde España, de países latinoamericanos y de Portugal. Nuestro saludo y bienvenida especiales a los peregrinos de la Cofradía de la Santísima Cruz, con los padres franciscanos de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Y a todos los demás, en pequeños grupos, en familia o individualmente. Y nuestro saludo a cuantos se unen a nosotros y participan en la celebración a través de Televisión Lourdes Internet. Como cada miércoles, en este año del Jubileo de la Misericordia, celebramos la Misa de la Misericordia Divina. Lourdes, lugar de la misericordia,
que se manifestó a través de la presencia y del mensaje de la Santísima Virgen en sus 18 apariciones aquí en la Gruta de Massabielle. Nos disponemos para participar en la celebración y cantamos el texto del tema del año, Misericordes sic ut Pater, misericordiosos como el Padre. Misericordes sic ut Pater, misericordes sic ut Pater, misericordes sic ut Pater, misericordes sic ut Pater. Guten Morgen. Grüß Gott, für alle deutschsprachige Pilger hier versammelt für unsere internationale Messe. Herzlich willkommen. Und ich begrüße gerne die Pilger von der Erzdiözese Freiburg mit Bischof Emeriti Rainer Klug. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an alle Pilger, die hier sind, mit das Bayerische Pilgerbüro aus München und die Herz-Maria-Bruderschaft auch aus München. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch für die Gruppe Orbis aus St. Gallen, eine Gruppe mit Pfarrer Bentele und eine Gruppe mit Pater Marius und eine Gruppe Optimundus. Und auch ein Gruß an alle, die mit uns verbunden sind, via TV Lourdes und Internet, um mit uns zusammen zu beten während dieser Messe. Wir halten das Eucharistiefeier mit das Jahresthema Misericordes sic ut Pater, barmherzig wie der Vater. Lasst uns einander willkommen heißen und singen wir zusammen. Misericordes sic ut Pater. Misericordes sic ut Pater. Misericordes sic ut Pater. Misericordes sic ut Pater. Misericordes sic ut Goedemorgen en hartelijk welkom ook aan alle Nederlandstalige pelgrims uit Nederland en uit Vlaanderen. En aan allen ook die met ons zijn verbonden via TV Lourdes en het internet om met ons samen mee te bidden van thuis uit, de huiskamer, de ziekenkamer of waar dan ook. Hartelijk welkom in het bijzonder aan de pelgrims van de VNB. En hartelijk welkom aan de reisgroepen die er zijn uit Vlaanderen, de Stille Kempen, de Zigeuner, Hermen en Van Damme en Lauwersreizen. En uit Nederland OAT-reizen en een groep uit Geesteren, regio Tubergen. Hartelijk welkom. Wij vieren samen Eucharistie, heel internationaal. Wij verwelkomen elkaar omdat wij bij God welkom zijn, omdat God barmhartig is voor ons. Wanneer wij hier samen zijn om te bidden, laten wij dan ons hart openstellen voor die barmhartige liefde van God. Laten wij ons klaarmaken, het stilmaken rondom ons en in ons hart, opdat de Heer tot ons kan spreken en ons kan uitnodigen om zijn Zoon Jezus te volgen in de beleving van die barmhartige liefde. We beginnen zo dadelijk aan de viering. We maken het rustig. Shhh.
passe la porte, prends courage, toi que retient le désespoir, rappelle-toi les pas à la brise du soir, c'est le Seigneur, il te cherche. Was the threshold be courageous? You are held back by despair. Gentle as evening breeze, I stand by your side. It is the Lord, He will seek you. Thank you.
kann dann wirken in dieser Welt überall. Er ist der Herr von uns allen. Avec lui, c'est le Seigneur, il te cherche. Il a tous en osé l'étendre, la vie Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, Fils de Dieu, venu nous révéler l'amour de ton Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria,
creationem nostra. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde est sans mesure, et le trésor de ta bonté inépuisable. Dans ta bienveillance augmente la foi du peuple qui t'est consacré, afin que tous comprennent vraiment quel amour les a créés, quel sang les a rachetés et quel esprit les a fait renaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Unser Herr ist barmherzig und gnädig. Unser Herr. An Gute. Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Alleluia, amen, alleluia, alleluia. Sed compassivos, como vuestro Padre es compassivo. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. » Et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Be compassionate, as your Father is compassionate. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia. Chers frères et sœurs, en cette année de miséricorde, il n'est pas difficile de s'imaginer que pas mal de gens se sont posé la question et se posent la question, mais la miséricorde est-ce encore de notre temps? Je ne peux vous raconter qu'une petite légende. Une petite légende, en même temps, très historique. Une légende autour de Saint Jean, l'apôtre. Vers la fin de sa vie, après des décennies de vie missionnaire, on lui demandait, mais dis-nous Jean, dis-nous en une seule phrase, ce qui est le plus important dans ton message, le plus important de tout ce que vous avez proclamé pendant cette longue vie. Et Jean ne devait même pas réfléchir. Et sa réponse était vraiment claire. Aimez-vous les uns les autres. Mais ses amis qui l'interrogeaient n'étaient pas satisfaits avec cette réponse. Oui, cela on sait depuis longtemps, mais il doit y avoir quand même quelque chose de plus important, de plus profond. Alors Jean a pris un tout petit peu de temps et après un moment de silence, il répondait « Aimez-vous les uns les autres. » Et de nouveau, mais il doit quand même avoir quelque part un message, un secret, quelque chose qui touche vraiment le cœur de l'homme, quelque chose qui change le monde. Et alors Jean répondait « Puisque vous insistez, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Chers frères, sœurs, si on veut parler de miséricorde, ce n'est plus l'homme même qui est au centre, mais le Christ qui a donné sa vie pour nous. Chaque mot, chaque geste humain touché par ce sacrifice, chaque mot et geste humain où l'autre est plus important que sa propre vie, voilà la vraie miséricorde de Dieu qui veut et qui peut changer le monde. Voilà le secret de Dieu en Jésus-Christ que nous célébrons en chaque Eucharistie. Fratelli e sorelle, la misericordia di Dio è immensa per ciascuno di noi. Donandoci la sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere per il battesimo. Ciascuno di noi è figlio di Dio. Ciascuno può dire: io sono amato da Dio. Dio è mio padre. Sono il suo figlio prediletto. Ecco la grande speranza. E per questo Gesù ci dona il comandamento dell'amore. Egli ci ama con gioia come fratelli e sorelle. E quindi anche noi dobbiamo amare Gesù con tutto il nostro cuore e amarci gli uni e gli altri con tenerezza e gioia. L'Eucaristia è il sacramento dell'amore. Chiediamo a Gesù la grazia di un più grande carità. Lieber Brüder und Schwestern, die Barmherzigkeit Gottes ist unendlich für uns alle. Gibt uns das ewige Leben durch die Taufe. Wir sind alle Gottes Kinder, wir alle können sagen: Gott liebt mich sehr, Gott ist mein Vater, ich bin sein geliebtes Kind. Das ist unsere große Hoffnung, das ist unser Glaube. Darum gibt Christus uns das Gebot der Liebe. Liebt uns als seine Schwestern und Brüder. Darum müssen auch wir Jesus lieben von ganzem Herzen und einander mit Freude und Barmherzigkeit. Die Eucharistie ist das Sakrament der Liebe. In der Eucharistie beten wir die Gnade einer großen Liebe. Dierbare Zusters und Brüders, het Wort Barmhartigkeit heeft het op onze Dagen hart te verduren. Men is niet sehr barmhartig voor dat woord. Men heeft het liever over asserviteit, die heel vaak agressiviteit wegsteekt. Laat mij daarom deze legende vertellen, die gaat over Johannes de apostel, de evangelist ook. Naar het einde van zijn lang missionair leven vroegen zijn vrienden hem: Johannes, zeg ons nu eens in een paar woorden, wat is het belangrijkste van alles wat je hebt verkondigd gedurende die vele tientallen jaren? En Johannes hoefde zelfs niet eens na te denken. Bemint elkaar, antwoordde hij. Maar de vrienden van Johannes
waren niet tevreden met dat antwoord. Dat kennen wij. We hebben al dat zo dikwijls gehoord. Er moet toch iets serieuzer zijn, iets dieper zijn. En Johannes wachtte even en antwoordde dan: bemint elkaar. En weer dezelfde reactie. Maar is er geen bijzondere boodschap? Ergens een geheim dat we nog niet begrepen hebben? Iets dat het hart van de mensen echt raakt? Iets dat de wereld kan veranderen? En Johannes antwoordde: als je het dan toch horen wil, omdat je aandringt, dan zeg ik je: bemint elkaar zoals ik je heb lief gehad, heeft Jezus gezegd. Lieve mensen, indien wij van barmhartigheid willen spreken, dan moeten wij weten dat het de mens niet langer is die in het hart van de wereld staat, in het centrum van de wereld, in het centrum van ons denken en doen, maar Christus. Hij die zijn leven voor ons gaf. Elk woord, elk gebaar dat getekend is door dat levensoffer van Christus. Elk menselijk handelen, elk menselijk spreken waarin de andere mens belangrijker is dan het eigen leven. Dat is de barmhartigheid van God, die de wereld wil en kan vernieuwen. Dat is het geheim van God in Jezus Christus. En het is rond die boodschap dat wij samenkomen. Het is rond die boodschap dat wij Eucharistie vieren. Het is om die boodschap dat wij nooit genoeg kunnen danken. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par notre baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. Aujourd'hui, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc,
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli et ressuscité des morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour la Sainte Église. Pour que la Sainte Église vive davantage de la miséricorde, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, prions le Seigneur. Te rogamus audinos. Let us pray for all the pilgrims who will come to Lourdes in this holy year. May they be renewed and sanctified by their pilgrimage. Lord, hear us. Te rogamus audinos. Per i responsabili politici e dirigenti della cosa pubblica che lavorino sempre per il bene comune, preghiamo. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les malades. Für die Kranken und jene, die für sie sorgen, dass ihnen der mütterliche Schutz der seligen Jungfrau Maria Trost und Hilfe sei. Lasse zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour ceux qui nous sont proches. Todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, para que Dios los visite y los proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions por las familias. Por alle gezinnen en families ter wereld, in het bijzonder voor hen die de beproeving van de scheiding beleven. Laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour cette intention.
Pane Ježišu, prosíme ťa za odpustenie vo svete, medzi ľuďmi, v rodinách, aby tvoja milosrdná láska zvíťazila nad zlom, prosme Pána. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble en d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, nos offrandes. Fais qu'elles deviennent le sacrement de notre rédemption, mémorial de la mort de ton Fils et de sa résurrection, afin que par la force de ce sacrifice, nous mettions toujours notre confiance dans le Christ et parvenions à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut assolis ortu usque ad occasum oblatio munda, Feratur nomini tuo. Supplices ergo Domine de precamur, ut haec munera quae tibi sacranda de tulimus, eodem spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui Domini nostri, Jesu Christi, cuius mandato aec mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes,
hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam scenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus, Domine. Amen, amen. Amen, amen. Et tuam resurrectionem confitemur. Amen, amen. Amen, amen. Donec veniat. Amen, amen. Amen, memore sigitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis t'ascensionis in celum, sed et praestolentes alterum eius adventum offerimus tibi gratias et ferentes hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quaesumus in oblationem ecclesiae tuae et a nocens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui refecimur, spiritu eius sancto repleti unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Nos tibi perficiat unus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valiamus in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum sancta Bernadetta et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicola, cum Episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filius tuos ubique dispersus, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctus et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum beninus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum nominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largibis. Per ipsum cum ipso et in ipso. Amen. E
Recibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions. Dieu de miséricorde, nous avons reçu en nourriture le corps et le sang de ton Fils. Donne-nous de puiser avec confiance aux sources de la miséricorde et d'être nous-mêmes de plus en plus miséricordieux envers nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens, Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Thank you.
Thank you.
Ja, das ist ein Kreuzzeichen. 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 Das ist ein
Thank you.
Gracias.
Dank u wel.